weather patterns become unpredictable. Sea levels rise, forcing coastal villagers from their farmlands and into crowded inner cities. In the heart of Africa, there are 4 million people who are there and who need help. The doctors see their patient dying because they don't have something just to save their lives. 250 elephants that were killed for their ivory for that one shipment. We don't yet know really how long it will take plastics to degrade in the environment. We have now entered a whole new geological epoch. Clearly, no dispute that climate change is happening, and there's no better indicator to illustrate this than glaciers. All the legal system is actually engaged in justifying all these human rights violations. Refugee camps were destroyed, and whole families wiped out. Right. Good morning, good afternoon, and good evening, wherever in the world you're joining us from. We are very incredibly happy that you could join us. You just saw a glimpse of our work in the promo video earlier. TVE as an organization, we've been over 37 years old. We are, in fact, one of the first organizations that we've been creating content and raising issues around environment and sustainability. So without further ado, I'd like to introduce Sébastien Pins. Sébastien lives in Belgium, and he will be hosting the session in French, but fear not, we have our wonderful Matthew who will help us in, you know, translating for the afternoon. So Matthew and Sébastien, welcome. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter Trace et Une passion d'or et de feu, ben, deux courts-métrages de ma production. Une passion d'or et de feu a été réalisée en 2014 et Trace en 2019. Peut-être que je vais laisser Mathieu traduire. Hi everyone, good afternoon, or good morning, or evening. So Sébastien is saying that he's really, really thrilled and honored to be here. And he's going to present you two of his short movies. One is Traces, that he's directed and produced in 2019. And the other one is A Passion for Gold and Fire, which is from 2014. Je crois que nous pouvons dire que ces deux courts-métrages rejoignent bien le projet de l'association TVE, puisqu'ils invitent à une action positive dans le monde réel pour un avenir plus durable. And so these two short movies have a lot in common with TVE, as they call for positive and material action towards a more sustainable future. Et avant de visionner Trace, c'est peut-être intéressant pour vous de faire ma connaissance en tant que réalisateur. Et Karma va vous présenter une petite vidéo expliquant mon travail. So without, as a first presentation, he wants to introduce himself as a director, and Karma is going to present a short video explaining Sébastien's work. Le Condro et l'Ardenne belge sont mes racines. Et depuis tout petit, j'ai vécu une magnifique aventure en attachant de l'importance à des choses toutes simples. Ça pouvait être le retour du printemps ici en forêt,
le passage des grues dans le ciel pour nous annoncer l'arrivée de l'hiver, ou tout simplement un peu de rosée de poser sur une feuille à l'automne. Ben voilà, c'est tout ce qui faisait mon univers quand j'étais plus petit, et encore même maintenant. Et par après, lorsque je me suis retrouvé plus dans un travail de production en intérieur, ben j'avais une sorte d'attirance inexplicable, un peu mystérieuse comme ça, qui me poussait au dehors. Et quand je me retrouvais ici en pleine nature, eh ben j'avais un désir immense de partager toutes les émotions que je pouvais ressentir. J'ai d'abord décidé de me lancer dans la photographie, mais très vite je me suis rendu compte que le public que je touchais était très ciblé et que la vidéo, le cinéma, me permettrait de toucher un public plus large, mais surtout de partager le regard que je porte sur la nature. Aujourd'hui, je peux dire que je vis d'incroyables aventures avec une équipe de tournage qui m'est chère. Mais j'ai surtout le privilège de vivre avec la nature au fil des saisons pour construire un projet porteur de sens. Notre pays a une diversité de paysages absolument incroyable. Tantôt, je peux vous faire croire que vous êtes dans le Yukon, au Canada, ou dans les hautes steppes de Mongolie. On a vraiment une richesse visuelle propre à notre Belgique qui est vraiment extrêmement riche. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la lumière qu'on peut y retrouver. Cette lumière naturelle, qui est loin de celle qu'on peut retrouver en studio, qui, en toute simplicité, va donner quelque chose d'extrêmement fort à mes images. Dans mes films, j'attache énormément d'importance au mode de vie que notre société moderne a tendance à effacer. Et je trouve vraiment important de confronter deux générations. L'ancienne génération jouant le rôle de passeur et la nouvelle véritable promesse d'avenir. Voilà. Donc en 2019, mon court-métrage Trace entame son parcours en festival. Et malgré la pandémie, rien n'arrête sa route. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous le présenter également. In 2019, my short movie Traces starts his journey in festivals. And in spite of the pandemics, I'm very, very thrilled incredibly happy to present you this movie today. J'avais la certitude qu'un jour, elle me dévoilerait ses secrets. Je suis débardeur, comme mon père. Et chaque jour, Nina et moi, nous allons chercher les arbres où les machines ne vont pas. Mais derrière nous, il n'y a rien que des traces. Soixante-quinze ans déjà. Dans ma famille, ce métier a traversé toutes les générations.
et me voici le dernier. Est-ce que le question-réponse a lieu directement maintenant ou après Non, je pense que tu fais ta présentation d'abord et le question-réponse, c'est à la fin. Ok. Donc, par sa narration, ce film met en valeur le métier de débardeur au cheval de trait. Je pense que... That future of logging has to involve a close collaboration between machine and horse-drawn traction and human. During my Reiki, I noticed that draft horses were usually favored over machines. Draft horses can access places on the ground to pick up trees where, if machines such as tractors or timberjacks had to be used, the forest would have to be completely raised to pass. À mes yeux, le cheval de trait est trop souvent perçu comme un. According to me, the horse is too often perceived as a setback in technology, while it is a source of perfect complementarity, combining economic, social, and environmental functions. In addition, it is now an important vehicle for development of green tourism. Je vous invite maintenant à découvrir la short documentary about. About draft horse loggers. On va dans les endroits où la machine ne sait pas du tout aller. Donc quand on est dans une forte pente, c'est évident que la machine ne sait pas grimper pour aller couper les bois elle-même et les ébrancher. Donc nous, ce qu'on fait, on a des bûcherons qui passent devant nous, qui coupent les arbres, et nous, on accroche ces arbres et on les descend au chemin, là où les machines sont en stand-by. Après, on peut aussi être dans des endroits un peu plus difficiles comme les fanches, là où c'est vraiment fort humide, donc la machine ne peut pas y aller parce que déjà, elle va s'enterrer ou alors elle va occasionner des gros dégâts au sol que beaucoup de forestiers n'aiment pas, parce que souvent, dans ces endroits humides, c'est des zones protégées, donc ce qu'il faut, c'est aller chercher les bois dans ces endroits-là et de nouveau les amener à la machine pour qu'elle puisse les façonner. C'est un métier qui a évolué avec les années. C'est-à-dire que le cheval était en forêt seul au départ, il n'y avait pas de machine pour dire. Maintenant, le cheval, il est accompagné et il accompagne beaucoup de machines. Il y a deux métiers dans ce métier-là. Il y a la forêt et il y a le cheval. Donc, il faut quand même connaître la forêt, il faut connaître quand même un minimum dans les essences de bois. Et puis, il faut connaître le cheval, il faut savoir sa limite, il faut savoir s'occuper d'un cheval. Le cheval est habitué, il a confiance avec nous autres. On a construit une confiance et un outil de travail avec lequel on parle, avec lequel on le prévient de tout ce qui va se passer et avec lequel on a attrapé tellement de complicité qu'on parvient à réaliser des choses que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on est capable de faire. Le gros problème, c'est que les gens ne sont plus formés, à l'école de gardes forestiers ou de techniciens forestiers, on va dire, tous les donneurs d'ordre, les commis, comme on les appelle, les gens qui sont mis par les entreprises pour acheter du bois et regarder un peu la manière qu'ils vont l'exploiter, n'ont plus le réflexe cheval. Et s'il n'y avait pas de temps en temps dans certains cahiers des charges de communes une clause qui met obligation du travail au cheval dans certains endroits, je pense qu'on ne penserait même plus du tout à nous. Un vieux débardeur, on va dire quelqu'un qui a fini sa carrière, il a eu un tout bon cheval dans toute sa carrière. Ils le disent tous. Ah, celui-là, si je pouvais encore l'avoir, je n'ai jamais récupéré un cheval comme ça de toute ma carrière. Mais c'est parce qu'ils sont tombés dans leur carrière sur le cheval qui leur convenait et la complicité qu'ils avaient avec ce cheval-là était un peu, hors norme, quoi. Pour moi, le cheval, c'est le futur du passé parce que, bien entendu, le cheval, il fait partie de notre passé, mais je pense qu'il a toujours un avenir. C'est-à-dire qu'il n'aura peut-être pas la même utilisation que ce que nos grands-parents faisaient avec, peut-être pas l'utilisation que j'en fais actuellement non plus, mais il participera toujours au travail dans la forêt. Compris, le débardeur au cheval de trait est particulièrement adapté. The draft horse work is particularly suited to fragile natural spaces, such as Natura 2000 areas, petlands and wetlands. Horses have a small impact on the environment in which they operate. Their intervention requires little infrastructures. They do not cause soil settling.
passage, je trouve, très, en fait, respecte la the passage respects the regeneration of the forest by avoiding the destruction of the stems and leaving a clean floor behind them. Toujours de la première fois où j'ai vu Marc et Nina. I'll always remember the first time I met Nina and Mark. It was like a strong, several hundred kilos beast that who was pulling several freshly cut trees on her own. And ahead of her was a small man who, from time to time, was giving almost inaudible orders to the beast. And there was a perfect coordination between them, a perfect symbiosis. Un jour, Marc vient me faire rencontrer, ou du moins, il y a déjà quelques années, Marc, avant de commencer, avant de débuter Trace, Marc... Around a campfire, Marc, the draft horse logger, just told me that he has a lot of concerns about the future of his profession. He felt like he was the last of a lineage. And in order for you to understand all the technical challenges that I face in achieving, I'm going to present you several making-off to show the other side of the team. 31B sur une quatrième. Silence. Avec le mot trace, on pourrait croire que mon film tourne autour d'un fait qui s'est passé et qui a laissé quelques vestiges de son histoire. Mais c'est loin d'être le message que livre mon film. Mon film se déroule au présent et marque l'empreinte qu'a laissé un débardeur et son cheval dans le cœur d'une jeune fille. Vire par là. C'est mieux, Salomé. Ok, là c'est parfait. Comme le disent mes images, alors que les jours de l'homme sont comptés, la vie d'un art peut traverser des siècles. Et j'ai essayé vraiment d'adopter des points de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir, en essayant de me placer dans le regard de la forêt sur le débardeur. Ah, on a utilisé paramoteur, ciné-drone, caméra d'épaule et plein d'autres techniques. Et c'est vrai que les endroits où nous tournions étaient des endroits qui nous offraient aucune assistance satellite. Et donc chaque plan drone est un véritable travail d'orfèvre au niveau du pilotage. Mais les plans sont magiques parce qu'on a une véritable proximité avec la forêt. En ayant fait le choix de la caméra d'épaule, j'avais une grosse question technique qui se posait. C'était de savoir si le fait de filmer avec une caméra qui bouge beaucoup plus allait pouvoir nous offrir des plans qui seraient raccordables avec des plans drones, avec des travelling aériens parfaitement fluides, qui ne tremblent pas. Et en fait, au montage, ça s'est avéré une belle réussite parce que le fait d'alterner entre ces styles de captation d'image a donné vraiment quelque chose de très vivant à ce projet-ci. Okay. Moi, ce qui m'intéresse dans mes films, c'est toute la notion de transmission en deux générations. Et j'aime bien confronter l'ancienne génération et la nouvelle et avoir vraiment essayer, à partir du moment que les jeunes se retrouvent dans mes films, ils peuvent, ils pourront sentir... Ageism is a central part of my work, in the sense that I believe that there can be a transmission from older generation to young generation. And I believe that through my work and through my movies, I can find a way to inspire young generations to get interest into those old professions. The question was from Matt George. A very moving film, but a very Europe-centric perspective, since horses are not a viable solution in the Borneo jungle, or even in Amazon, where the worst deforestation is happening. Avec cette personne-là, en fait, le cheval de trait est adapté à certaines régions, en soi ici à l'Ardenne belge. So Sébastien's answer is that he addressed that question before, and he agrees with that. But his perspective
is that the work of horses by themselves is not enough. It has to be a balance between machine and local solutions that can reduce the impact on the environment. So it so happens that the horse is the solution in Ardennes, where it's from in Belgium, but there has to be a balance between mechanization, machines, and whatever local solution can be found in Borneo or in Amazonia, and that is the whole challenge. So through my films, my goal is to highlight the professions that contribute to the environmental preservation and are at risk of disappearing if the new generation is not taking over. In 2014, I had the opportunity to help an apiary school near collapse because no one wanted to take over its governance. So that's what I'm going to show you now. Mon nom est Fontigny, André. Il y a bien longtemps que j'ai repris ce rucher et l'école d'apiculture. Quand je travaille au rucher, c'est comme si le temps s'arrêtait de tourner. Mon esprit s'évade et je ne pense plus à rien. Aurais-je cru un jour que je deviendrais apiculteur? Ce fut une véritable aventure qui m'a fait peu à peu découvrir un monde merveilleux dont je ne soupçonnais pas l'existence. Ainsi, depuis bientôt 20 années, je suis leur élève. Et elles ne m'ont pas encore livré tous leurs secrets. Today, everybody is aware that bees are at risk, and that's why an apiary school is so precious. 80% of the world's crop depend on the activity of insects for pollination, and bees are considered amongst the best pollinators. We are going through a time when a fragile balance is in danger. The domestic or wild bees must cope with the use of biocides used in some forms of agriculture. Varroas, a small mite that parasites bees, is also one of the causes of the collapse of bees' colonies. About the techniques I used to make the documentary, in order to make images inside the hive, I created a control hive. Underneath was a soft box providing a dim light so that the bees were not disturbed. Inside this control hive, we placed frames filled with bees, and this is how I was able to film the inside of the hive. As you may have noticed, there are a lot of slow motions in this movie. I've worked with shots with 200 frames per second so that the viewer can see the flight of the bees. It is clear that today the public has a very strong interest in movies about nature, and the film that inspire positive action for the environment. Unfortunately, movies about nature are being neglected by a large number of producers because these films are very complicated to produce. They prefer the security of the studios to the unpredictability of nature. This is why I have to find grants from associations or private companies in order to produce my movies. How can we pitch ideas for some amazing projects in the UK and Malaysia to be filmed for wider audiences?
tout simplement avoir foi en ses projets, lancer des choses. À partir du moment qu'on crée, il y a plein de choses qui se mettent en place et c'est vrai que bon, parfois c'est un peu difficile, mais on arrive à rien sans rien. You've got to really believe, have faith in your projects, and just like really have a belief that there something can be done, and the new and to try to inspire young generations is possible, and believe in it. So the question was, what do you make of the increasing use of mobile phones for filming? And Sebastian's answer is that this is now available to everybody to have the tools that were only available for professional movies before, and that can translate into expressing some different points of views. With the use of a mobile phone, you kind of lose in storytelling because you can't use like traveling or certain techniques that you use in cinema to really enhance your what you want to talk about. So it's a little less rich than actual movie direction. Conclusion to this presentation, Karma will show you the trailer for my next movie and title, When the Swallows Go Away. And it is a story of a young boy who goes out of his way to help 80 years old husbands and wives. They are struggling farmers who need to feed their donkey and the last cows. Encore un grand merci à vous tous pour votre présence et votre participation à ce masterclass. Votre intérêt pour mon travail est pour moi un des plus beaux des soutiens. I want to send you another big thank you to all of you for your presence and participation. Your interest is for me the most beautiful of the supports. Fascinating and absorbing hour and a bit that we have had watching Sebastian Pin's beautifully made documentaries. TVE is about using the power of films to tell stories. And Sebastian Pin's won an award at our Global Sustainability Film Awards last November. And you can see why, because he is so talented. So if you have enjoyed today's masterclass, please join us for our future masterclasses with the other winners of a past Global Sustainability Film Awards. I would like to thank Matthew for being an excellent translator, interpreter. And I would also like to thank the TVE team that has put this together. Before we leave, again, I'd like to thank Sebastian and Matthew, you know, for very kindly agreeing to do this.
in the next few months, we will have a session of more masterclasses, and some of the filmmakers that will be joining us for our masterclasses is Monica Cook. Her films has a very close relationship with how we relate to our architectural surroundings around us. So it's more to do with now urban settings. So we will do a masterclass with her sometime in May. Before we leave, we have a number of projects that we have in mind that we want to do. And one of our projects that we have been running successfully for the last 10 years was called the Global Youth Video Competition, which is another entity within TVE. It's called the BioMovies entity. We could not do this last year because, again, the pandemic issues. The competition is basically, again, which we talked about mobile phones. So it's about giving young people the access to making films on issues which are very close to them in their natural surroundings, on climate issues, on sustainability. And then they submit these films to us. These are short films, 1.5 minutes or 3 minute films. And then we curate it, and then we basically pick up the winners from there. And the winners are given a small cash grant, and then they're also invited to the COP summits, where then they can present their films, and then we have a discussion around it. So our hope is to have the competition going again this year. So we're looking for funders and partnerships for it. If you know anybody, or if there's anybody interested, please join us. Before we leave, I'll just show you the quick promotion video for the competition for this year. Global agriculture production must increase to meet the need of the rapidly growing world population. The way we produce food is degrading the soil. More trees are being cut down each and every day. This has led to dangerous floods. We need to up our game and get ourselves well into gear now. Daniel Sainz. My name is Augustina Fotokufi. Oi, eu sou a Luan. E eu sou o Dudu. This is Chewy. Besoin d'être pensé, réingénierie pour être plus durable, plus viable. Our farmers have to be a little creative. Es una planta que también puede ayudar a bajar la incidencia del cambio climático. We are calling for a fair and sustainable travel sector. What we need is to transform the way we travel. Comida vegana, fazemos as entregas de bicicleta. Pegamos as embalagens das marmitas de volta. So we try and do things that will make it more efficient and also benefit the environment as well. Each morning we wake, we are faced with two choices. We choose to stand up and use our powerful voices. We want regenerative agroforestry to go mainstream. Sors des ponts de les uns des autres, nous n'avons qu'une seule planète. Knowledge isn't enough to produce behavior change. Need sustainable innovations, vital to all lives on Earth.